va nous faire passer une heure dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Donc je m'excuse un petit peu pour les problèmes de place, mais je voudrais insister encore une fois, comme je le fais souvent auprès des groupes en particulier, n'oubliez pas de réserver, hein, de nous prévenir quand vous venez, parce que bon, c'est quand même une petite salle, et quand on vient un groupe de 30 sans avoir prévenu, bon, c'est embêtant. Pour nous c'est difficile de gérer et c'est extrêmement difficile de dire à des enfants quand ils sont à la porte qu'on leur a dit qu'on allait les emmener à un spectacle de dire maintenant il n'y a pas de place, on s'en va. Je me mets à la place des enfants et je pense que la déception est encore plus grande si on leur dit ça que si on les accepte dans des conditions qui peuvent être un petit peu limites, comme par exemple ceux qui sont là-bas sur les escaliers. Donc je m'excuse auprès d'eux, mais à l'avenir les groupes, n'oubliez pas de réserver. Je vous souhaite à tous un bon spectacle. Soyez attentifs. N'hésitez pas à taper les mains quand on vous dit de taper dans les mains. Participez. Mais soyez attentifs aussi. Merci et bon spectacle.
Je t'en ai pas, donné l'enfer de Santa Rosa.
parce qu'on s'est dit bonjour, maintenant on a besoin de savoir si vous êtes un bon public. Oui. Déjà, je peux vous dire une chose, vous êtes très nombreux. Mais on a besoin de savoir si vous êtes un bon public, donc on va faire un petit jeu, tous ensemble, pour voir si vous avez tout ce qu'il faut pour être un bon public. On va voir si déjà celle-ci fonctionne bien. Et celle-ci. C'est bien, tout le monde a pris ses bras aujourd'hui, c'est important. On fait les marionnettes. Les oreilles de lapin. Un doigt dans l'oreille du voisin. Non, je... C'est vrai, des fois, ils ne se lavent pas les oreilles, alors... Non, bref, on est là comme ça. Oh, bah dis donc, vous n'avez pas l'air très réveillé, on commence. Et deux. Ah, madame là-bas n'a pas ses bras. Oui, il faut pas. Oui, madame n'est pas venue sans... Elle est venue sans ses bras, là-bas, je vois. Et une. Et deux. Et une. Et deux. Et on bouge plus. Et on va imiter le bruit de la pluie. Alors, on fait comme ça. On va faire encore plus fort. On va imiter le bruit du vent. Alors, on met souvent comme ça. Et on souffle très fort. Maintenant, on va faire encore plus fort, on va mettre ses mains comme ça. Et on va faire le bruit de tonnerre, on fait comme ça. Le tonnerre, l'applaudissement. Maintenant, on va ensemble danser tout à l'heure avec les hirondelles et les papillons. Alors choisissez, soit vous êtes un papillon, soit vous êtes une hirondelle. Et c'est parti. De cris d'animaux. J'aime bien ce petit jeu-là, d'accord ? On va faire les animaux sauvages. Alors,
sauvage de tous les animaux sauvages, le chat. On va miauler comme des chats. Non, miauler, on ne parle pas de miauler. On va voir si vous allez faire les chiens, aboyer comme des chiens. Est-ce que vous savez faire le cri de l'autruche? Comment c'est l'autruche? J'attends que tu... D'accord. Alors ici, à Saint-Vallier, les autruches font ce cri-là. Ils font des cris différents dans chaque endroit. Est-ce que vous savez faire le cri des moutons? Enfin, le cri des moutons. Est-ce que vous savez... En fait, tu sais, en fait, c'est rigolo parce que à chaque fois que je pense aux petits cochons, les trois petits cochons, je pense aux... Ben oui, alors comment ça le cri des grands méchants loups? Je n'ai jamais la triade, ma fousse qui vous plaît, les menaces, ma chère poule ou les frissons.
chant. Alors, si j'ai bien tout compris, ici, vous n'avez pas peur du grand méchant? Parce que c'est rigolo, moi je connais un village. Je connais un village où il y a des enfants comme vous. Où il y a des grands aussi comme vous, hein. Mais dans ce village, il y a un loup, il n'est pas comme chez nous. Tout autour de ce village, il y a un loup qui se promène dans la forêt, dans la plaine. Sauf que ce loup, les gens ils disent là-bas qu'il est un petit peu... un peu toc toc toc, un petit peu bouboule ma boule, toi, les gars. Un peu zinzin. Hein? Parce que là-bas, le loup, il fait pas comme chez nous. Il fait pas comme dans toutes les histoires de loups. Là-bas, dans ce village, quand on entend au loin le loup qui pousse son grand cri de loup, on entend « Babe loup !» Et à chaque fois qu'on entend au loin « Babe loup !» tout le monde répond « Même pop !» C'est vrai. À chaque fois qu'on entend au loin le loup qui pousse son grand cri de loup, à chaque fois qu'on entend au loin « Babe loup !» tout le monde répond « Il est allé trouver les gens du village. Et là, il leur a dit... Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je me promenais. Et j'ai vraiment très, très faim. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, un petit garçon ou une petite fille à grignoter? Il y a des petits garçons, des petites filles qui font que des bêtises, qui servent à rien. Non, il y en a pas. Les gens dans le village, ils ont dit comme vous, ils ont fait non, mais ça va pas, t'es pas un peu bobo de la boule, toi, le loup. T'es complètement zinzin, t'es complètement docteur. Tu crois qu'on va te donner un petit garçon, une petite fille à grignoter, t'as ce que t'as faim? Non, mais passe ton chemin, t'as rien à faire ici. Alors le loup, il allait partir, mais dans ce village, il y avait une sensible. Et la sorcière, bah, elle était, elle, comme dans toutes les histoires, vieille, flippée, les doigts tordus, le nez crochu, la verrue et le poil par-dessus. Bon, ben. Et la sorcière, elle s'est approchée du grand méchant loup et elle a dit « Oh, monsieur le loup, vous tombez rudement bien. J'ai justement dans mon placard enfermé un petit garçon. J'ai un petit garçon enfermé dans mon placard. Si tu veux, monsieur le loup, je te le donne. Tu pourras le mettre dans ton bidon. C'est vraiment très très bon. Mais monsieur le loup, si tu veux que je te donne ce petit garçon, il va falloir que tu me donnes quelque chose en échange. Oui. Je veux le feu d'un dragon chinois. Quoi? Alors le loup, il a ouvert des yeux comme ça. Il s'est gratté les oreilles comme ça. Il a dit, où est-ce que tu veux que j'aille trouver le feu d'un dragon chinois, ouais? En Chine. Il va falloir que j'aille jusqu'au bout. Alors il a poussé son grand cri de loup, il a fait, babelou, et tout le monde a crié. Alors il est parti en courant. Il a couru comme ça pendant des semaines et des semaines. Et à force de courir comme ça pendant des semaines et des semaines, il est arrivé jusqu'en Chine. Et là-bas, en Chine, il est allé trouver un très grand sage chinois. C'était vraiment un très très grand sage.
Déjà parce qu'il était très très grand. Et puis sur sa tête, il avait un petit chapeau tout carré. Il avait les petits yeux tout ridés. Et une longue barbe grise qui descendait jusqu'à ses pieds. Alors le loup s'est approché de cet honorable grand sage et lui a dit « Bonjour, monsieur le grand sage, bonjour. Je me promenais et j'ai vraiment très très faim. Est-ce que tu pourrais me donner un peu du feu de ton dragon chinois que je l'apporte à la sorcière, qu'elle me donne le petit garçon, que je le mette dans mon bidon, parce que c'est vraiment très très bon. » Le grand sage a regardé le loup et lui a dit « Honorable grand loup, m'aurais bien te donner un peu du feu de mon dragon chinois. » Oui, monsieur loulou, tu veux bien. Mais si tu veux que je te donne un peu du feu de mon dragon chinois, il faut que tu me donnes quelque chose en échange. Je veux un poil de nez de rhinocéros d'Afrique. Alors le loup, il a regardé les yeux comme ça, il s'est gratté les oreilles comme ça, il a dit « Oh, où est-ce que tu veux que j'aille trouver un poil de nez de rhinocéros d'Afrique ?»« Alors là, c'est son grand cri de loup, il a fait « Bam, loup !» et tout le monde a crié « Alors il est parti en courant. Il lui a couru comme ça pendant des mois et des mois. Et à force de courir comme ça pendant des mois et des mois, devinez quoi, il est arrivé jusqu'en Afrique. Là-bas en Afrique, il est allé trouver un très grand chef de tribu. C'était le plus grand chef de tribu de toutes les tribus d'Afrique. Il n'était pas grand ce chef, il était énorme. Gigantesque. Spectaculaire. Il avait des très gros biscottos. Des mains fortes comme des marteaux. Et à sa ceinture était accroché un énorme couteau. Alors le loup s'est approché de ce chef de tribu impressionnant. Il lui a dit « Bonjour, est-ce que tu pourrais me donner un poil de nez, s'il te plaît, monsieur le grand chef de tribu ? Un poil de nez, pas le tien, un poil de nez de rhinocéros, hein, que je l'apporte. » Au sage qui me donne le feu du dragon, que je l'apporte à la sorcière, qu'elle me donne le petit garçon, que je le mette dans mon bidon, parce que c'est vraiment très très beau. Le grand chef de tribu a regardé le loup, et il a dit « Eh, dis donc, toi le loup, tu me demandes un poil de nez de rhinocéros ? Je veux bien te donner un poil de nez de rhinocéros. Oui, oui, oui. Mais monsieur le loup, il va falloir que tu me donnes quelque chose en échange. Je veux un rayon du soleil. » Alors le loup, il a ouvert des yeux comme ça, il s'est gratté les oreilles comme ça. Il savait plus trop le loup, hein. Il a dit « Oh, où est-ce que tu veux que j'aille trouver un rayon du soleil ?» Je sens que ça va pas être simple. Alors le loup, il a poussé son grand cri de loup, il a fait « Bah, bah, loup !» Et tout le monde a crié. Alors il est parti en courant. Il a couru comme ça pendant des années et des années, et à force de courir comme ça.
sa patte vers le soleil pour attraper un petit rayon. Mais ce n'était pas encore assez haut. Oh, j'ai une flûte. Il a sorti de sa poche une échelle. Parce que là-bas, le loup, il avait des très grandes poches. Il a posé l'échelle sur la montagne et il a grimpé. Grandi, c'était devenu un homme maintenant, et bien caché au fond de son
attendez, nous, il a pris ça. Il a poussé son grand cri de loup, il a fait Babelou, et tout le monde a crié. Quelle histoire extraordinaire! Ça me donne soif. Ça va les enfants qui sont assis sur les marches, c'est pas trop dur pour les fesses? Ça va? Bon! Vous savez, nous on aime bien raconter des histoires. On aime bien faire des spectacles comme ça devant autant de monde, c'est un vrai plaisir. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi rester là sous la couette, faire la sieste, faire la grâce d'acheter. J'aime bien aussi. Je vous aime bien, mais j'aime bien la couette. J'aime bien boire de l'eau? J'aime bien boire de l'eau! J'aime bien manger des bonbons. Ah, c'est vrai, aussi. J'aime bien manger des gâteaux au chocolat. Ah, hein, aussi, on n'est pas tout seul, je crois. Il y a des choses qu'on aime bien faire. Ah, ouais. Puis, il y a des choses qu'on n'aime pas faire du tout. Par exemple, les embouteillages. Moi, ah, j'aime pas trop. Avoir des points moins sur perdu, ça, c'est mal. Oui, les enfants connaissent pas ça, mais. Ouais, c'est vrai. Mais la vaisselle, ils connaissent, par exemple. Ah, c'est vrai. Tu sais, quand t'as le gâteau avec la sauce au chocolat, t'as tout mangé, t'as même léché l'assiette. Mais il paraît qu'il faut quand même la laver. Mais ça, c'est pas drôle. Il faut quand même laver l'assiette, il faut faire la vaisselle. Et bien ça, c'est pas drôle. Est-ce qu'il y en a qui, comme moi, je sais que toi, Olivier, comme moi, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas faire la vaisselle? Toi, tu n'aimes pas faire la vaisselle, toi, toi non plus, les grands, c'est pas ça. Moi, les enfants, c'est moi, j'aime pas l'écran. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas faire la vaisselle, comme moi, Olivier et Jean-Louis et Victor, petit camarade sur scène, j'en suis certain, il n'y en a aucun qui fait la vaisselle, à chaque fois, c'est moi qui finis la vaisselle. Ça, c'est vrai. Bah, moi, je la casse quand il n'y a plus à la faire, c'est ça. Voilà. Oui, on mange direct dans les plats. Enfin, là, c'est très. À la boulangerie, on arrive le gâteau. Non, je ne vais pas manger sur place. Voilà, c'est plus ça. C'est plus pratique. Et si vous êtes comme nous et que vous n'aimez pas faire la vaisselle, et par contre vous aimez chanter, eh bien, bienvenue. Nous avons inventé une petite chanson qui s'appelle La Vaisselle. Et avec cette petite chanson, nous avons inventé une petite danse. Alors on s'est dit, tiens, ce serait drôle, ce serait magnifique, ce serait génial, ce serait un peu fou de faire danser tout le monde, hein? Ce serait un peu fou. Donc on va choisir un grand parmi vous qui va venir danser sur scène avec nous. Un grand. Qui c'est qui veut monter? Un grand. Un grand à qui on pourrait enlever les permis sur son, des bois sur son permis. Un beaucoup plus grand. Madame, vous voyez danser tout à l'heure sur les petits coups. Vous voulez pas venir? Alors, plus tomber sur vous. Vous êtes à plus près de l'escalier. On peut se venir chez moi. On peut encourager. Bravo. Allez, on encourage encore. C'est bien la petite famille. C'est plus de la famille. Il y a toutes ces choses-là, attention à vous. Voilà, votre prénom, c'est. Céline, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Une ovation pour Céline. D'un autre côté. Regardez comme ils sont beaux. Oh, faites-lui coucou. Bien. Alors Céline, voici vos élèves. Vous êtes notre professeur de danse aujourd'hui. Notre camélette. Enfin, camélette, voyette. Et donc vous allez leur apprendre à danser. Alors, déjà, est-ce que Céline est assise sur une chaise ou sur des marches? Non, Céline est debout. Alors tout le monde se met. Exactement. Et alors le but du jeu sera de faire exactement ce que fait Céline. Donc pour voir si votre public marche bien, Céline, on va faire un petit essai. Vous allez nous apporter un petit peu de temps. Allez, tout est pareil comme ça. Alors, regardez bien ce que fait Céline et vous faites exactement comme Céline. Les mains sur les hanches et allez. Hop. Dites donc, vous n'êtes pas réveillé, j'ai pas l'impression. Ah si, ça y est, ça commence à s'agiter. Un autre petit geste avec les bras, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, ça marche pas mal. D'accord, alors maintenant voilà ce qui va se passer. Cette chanson, il y a un refrain et un couplet. Le refrain en même petite danse, on va vous apprendre et vous allez la faire. Et les couplets, vous allez improviser ce que vous voulez. Comme tout à l'heure sur le fond.
Ah, attention, c'est parti. Le refrain, ça fait comme ça. Mais il se trouve qu'on oublie la main. C'est quoi les bistrots? J'ai plongé les mains dans la vaisselle. Alors, au lieu de rester la bouche ouverte comme ça, faut faire comme Céline. On reprend. J'ai plongé les mains dans la vaisselle. Très bien, mademoiselle. Au milieu des bulles de savon. Et là, on plonge dans la vaisselle. Tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond. J'ai vu des sirènes. Il y en a une qui reste debout là-bas. Hop ! Des bateaux perdus. Des trésors cachés sans l'orque. On va le refaire encore une fois, un peu vite. J'ai plongé les mains dans la vaisselle. Oh!
dernière chanson. Et oui, c'est le temps de la dernière chanson. Et vous savez des fois ce qui se cache derrière une dernière chanson? Eh bien, une autre chanson. Alors peut-être qu'il y aura une autre chanson derrière celle-ci. Mais celle-ci, vous allez la chanter avec nous. Les paroles, c'est tout simple. C'est poser une question très grave. Qui mange la baleine? C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine? C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine? Allez avec nous! C'est sûrement pas le roi, c'est sûrement pas la reine. Qui mange la baleine? Et on peut continuer à danser! C'est sûrement pas la reine. Alors j'ai pris mon avion, j'y suis allé jusqu'au Japon. Et au pays, obscurité, dans un jardin j'ai rencontré. Super-héros le plus nul de la planète. Et comme on l'aime bien, on a décidé de faire tous ensemble.
ensemble les super-héros aujourd'hui. Alors vous faites comme moi, vous mettez debout et vous allez chanter avec moi. Super-héros. Allez, avec moi. Super-héros. Oh, mais vous faites les super-héros, vous voulez pas. Super-héros. Allez, encore une fois. Super-héros. Et maintenant, écoutez son histoire. Les super-héros, Spider-Man ou bien Zorro. Ils ont des costumes sympas, des pouvoirs et des combats. Mais il y en a un quand même qui me pose un problème. Il est là-haut dans sa nuage, tout près de mon village. Il s'appelle Super-Miros. C'est un surnom qui vient bien. Super-Miros. Mais pas très malin. Super-Miros. C'est pas toujours pour un médecin. Super-Miros. Et un peu zinzin. Soigner les mots, c'est tout petit, c'est très gros. Je roule la microscopie, un peu de la longue. Il dit qu'il est docteur, mais ce n'est qu'un menteur. Il met toujours qui est détresse, elle s'appelle la maîtresse. Super-héros, c'est un surnom qui lui va bien. Super-héros, n'est pas son nom. Super-héros, tu prends toujours pour un médecin. Super-héros, est un peu sympa. Je faisais n'importe quoi, des piquets partout à la fois. Il est allé de trois amis, et sous l'ambulance derrière. Il a lancé tout comme une bulle de chewing-gum. On a vu alors s'envoler, plus haut que les poupées. Super-héros, c'est un surnom qui vit la bien. Super-héros, est parti très loin. Super-héros, j'en ai allé chez les martiens. Super-héros, je perds le destin. Allez, chanson. Si vous voulez retrouver des nouvelles chansons, des désaccords, d'autres chansons, on a malheureusement d'habitude des disques avant, mais aujourd'hui on n'en a plus du tout, on a été dévalisé. Par contre, on a un site internet www.quezaco.info comme les informations. D'accord? Vous nous cherchez, vous nous trouverez peut-être. En tout cas, on est là avec vous, on est très heureux d'être avec vous. Et pour faire ces dernières chansons, on va voir si vous avez ce que vous avez au début. Ça c'est bien, t'as gardé tes bras. Des fois on perd ses bras dans un spectacle. Des fois on en trouve des qui sont pas à soi. Tiens, j'ai trouvé des bras. Tiens, je vais les mettre. Oh, bien. Et on vous emmène au bord de la mer, alors fais comme ça. Et si vous voulez, on chante avec les bras, ça fait. Wow, wow, la mer c'est grand. Wow, wow, il y a des poissons dedans. Oh, oh, la mer c'est beau. Y a des requins, des baleines et aussi des bateaux. Oh, oh, la mer c'est grand. Oh, oh, y a des poissons dedans. Oh, oh, la mer c'est beau. Y a des requins, des baleines et aussi des bateaux. Héloïse, la crevette grise, a bien tout mangé dans sa valise. Elle a mis ses chaussettes roses et grises à pois bleus, son chocolat au lait, sa télé et ses cheveux. Oh, oh, la mer c'est grand. Oh, oh, il y a des poissons blancs. Oh, oh, la mer c'est beau. Il y a des requins, des baleines et aussi des bateaux. Héloïse, la crevette grise, a pris le chemin de la banquise, elle va chez son cousin Martin le pingouin, qui fait du 60 ans avec tous ses copains. À vous! Oh, oh, la mer c'est grand. Oh, oh, y a des poissons dedans. Oh, oh, la mer.
tristesse. N'a pas oublié son père et son père. Elle s'est passée de toutes les couleurs pour peindre les clous et dessiner les fleurs. Ça c'est ta fréquence.